C'est mon anti-sèche. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, mon blog adoré! Joyeux anniversaire! Je chante faux. Oh oui! Couture débutant à 3 ans! C'était le 4 janvier, hein, son anniversaire, j'avoue. Mais j'étais pas prête, du tout. Mais c'est pour la bonne cause. Des indices se trouvent ici. Mais j'en dis pas plus. Petit conseil, restez jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin, c'est de la pure folie. Mais alors, vraiment de la pure folie. Par contre, avant, il va falloir vous taper toute la vidéo. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Les news du mois de janvier. On commence avec ça. Tadam. Tadam. Oh, c'est quoi? C'est une sorte de simili-cuir assez, comment dire, beau. Je pense que c'est le bon terme. Il est quand même assez extrêmement beau, hein. Moi je l'adore. Et il vient de la boutique Petit Merlin, donc je vous en ai déjà parlé. Il y a une ou deux vidéos dans les news. C'est une mercerie en ligne qui a été fondée par Céline qui vit dans le Nord. Du coup c'est quelqu'un de bien parce qu'en tant que ch'ti je soutiens tous les ch'tis. Non pas tous, mais je soutiens les ch'tis. Et là elle vient de sortir une gamme de simili sur sa boutique. Ce que j'adore chez Petit Merlin c'est qu'à chaque fois on a des motifs qui sont originaux, qu'on voit pas forcément partout, qu'on a des motifs qui sont en plus beaux parce qu'on peut avoir de l'originalité mais pas toujours à son goût. Bon bah moi je suis totalement convaincue par cette boutique là. Et là la gamme de simili mais d'autres tissus parce qu'elle a toute une nouvelle collection qui est trop cool. Je suis complètement convaincue. Alors ça par exemple c'est top pour faire des accessoires. Je pense à un sac discret, facile à sortir. Bon ok, une pochette sinon, si vous êtes plus discret dans la vie, une petite pochette, tout mignon. L'avantage c'est que celui-là, le simili, il est super simple à cuire. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est super simple à coudre parce qu'il n'est pas brillant, du coup il ne va pas accrocher sur le pied. Donc toujours utiliser un pied téflon, mais il est plus cool quand même. Enfin moi je le trouve cool quoi. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais. Ah ouais. Et bien sûr, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos avec les liens directs vers les produits, les boutiques, les marques, les machins, les trucs. Il suffit juste d'aller regarder en dessous en fait. C'est pas compliqué. Vous êtes capable de le faire. On passe à autre chose. Au revoir. Bon, je te remets là, t'étais beau. Ouais, comme ça c'est bien, non? Ouais. C'est bien, hein? Quoi, j'en fais trop? Ah non, je ne sors pas, ça c'est pour après. Oh le là, oh la blague. Bon, ok, nulle ma blague. Ah ça va, je suis pas humoriste, hein. La deuxième news du mois, je n'ai rien. C'est vide. C'est du vent. J'avais envie de vous parler des vidéos cours de couture qui arrivent de plus en plus en France, qui sont très connues aux États-Unis et qui sont super quand on veut apprendre à coudre, qu'on n'a pas de prof de couture près de chez soi puisque ce n'est pas toujours simple de trouver, mais qu'on a quand même besoin de voir les manipulations puisque les photos ne sont pas suffisantes. Eh bien, il existe plusieurs sites, dont un que j'ai eu l'occasion de tester qui s'appelle Maquerist. Donc dessus, vous allez avoir des patrons de couture. Par exemple, vous avez les patrons Petit Patron, une super marque, entre autres. Mais ils ont aussi leur propre cours de couture en vidéo et j'en ai testé un et je vais bientôt en tester un deuxième. Et celui que j'ai testé, j'en ai déjà parlé sur le blog en détail, ça s'appelle 50 astuces... Attendez. Ça s'appelle... Ça s'appelle 50 astuces pour débuter et progresser en couture. Un truc comme ça en fait, j'ai déjà oublié. Bon, dans cette vidéo, vous avez à peu près 13 vidéos qui font entre 3 et 36 minutes, si mon souvenir est bon. Et dedans, on vous apprend plein d'astuces couture. Que ce soit pour utiliser, choisir son matériel,
comme faire des techniques précises de couture. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas un cours où vous allez apprendre à faire un projet de A à Z. Par contre, dedans, vous allez apprendre plein de choses. Je fais de la couture depuis plus de 20 ans, j'ai un diplôme de stylisme modélisme, j'ai appris des trucs. J'avoue. C'était dur. Oh la vache, l'échec. Non, allez, sérieusement. Non, vraiment, j'ai trouvé que ce cours était super cool. Ils en ont plusieurs sur le site. Le prochain que je vais tester, c'est le cours sur la surjeteuse. Je sais que c'est une machine qui vous fait peur et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait une vidéo là-dessus. Donc, bon, il faut juste que je trouve 5 minutes pour... Non, en fait, il me faut plus que 5 minutes. Bref, il me faut du temps pour que je puisse la regarder et vous faire un retour. Mais en attendant, j'avais quand même envie de parler de ça puisque le concept des cours en ligne, moi, je trouve ça super cool. Voilà. Bah, le lien est dans la barre d'infos, vous avez l'habitude. Bon, du coup, on passe à autre chose avec du vide. Oh la honte, c'est nul. Oh, la transition. On parle pas trop de couture. Alors, je cache ça. Faut pas le voir tout de suite. Ça, c'est un patron de couture. Ça sert à faire un vêtement soi-même. Non, ok, ça vous le savez. Bon, le mois dernier, je vous ai parlé de DP Studio, qui est une super marque de patron de couture, mais pour un niveau assez avancé. Moi, je trouvais ça super chouette de pouvoir quand même vous parler de cette marque, puisque quand on débute, après on progresse. Ah ouais, je sais. Mais si vous débutez complètement et que vous cherchez des marques pour les débutants, en dehors de petits patrons, bien évidemment, hein, je suis pas lourde du tout, ça fait déjà deux fois. Bon, t'inquiète, Kelly. Non, non, j'arrête. Aujourd'hui, je vous parle des patronesses et du top Jude. Oh mais je le porte aujourd'hui! Ah mais quel hasard! C'est vraiment le hasard. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais mettre? Je tourne une vidéo. Ah, j'aime bien ce top, la rayure. Bon, ça passe pas à l'écran, on s'en fout. Je crois que mon cerveau a réfléchi sans me prévenir. Je sais pas si vous avez compris. Bon, on parle de Jude. Alors ce patron, pourquoi je l'ai bien aimé? Il est facile à faire. C'est vraiment un niveau débutant. Alors quand je dis débutant, mamie Margot va faire ses petites leçons. Un vêtement, c'est quand même pas du super méga grand débutant. Si vous avez jamais touché une machine à coudre, ne faites pas un vêtement. C'est trop long, ça va vous demander trop de techniques différentes. Et surtout, vous n'êtes pas encore à l'aise avec votre machine, tout ne va pas être droit, etc. C'est super décourageant puisque vous allez ressembler à un sac à patates. Vous allez dire, ah, c'est trop de la merde. Non mais en fait, c'est de votre faute. Je vous promets qu'en fait, il faut juste être patient. Commencez par des petits projets, il existe plein de petits tutos pour faire des petits pochons, plein de petites choses comme ça. Et... Non, je vais pas vous parler de petits patrons, mais je le pense fort. Mais toujours est-il qu'on commence pas par un vêtement. Par contre, si vous avez déjà fait un tout petit peu de couture, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Et son deuxième avantage, c'est que c'est une forme un peu ample. Et du coup, bah, si vous avez envie de le faire pour quelqu'un, par exemple, c'est pas trop galère sur la taille, vous avez moins de chances de vous planter. Moi je l'ai fait pour ma marraine qui fait du 36, je l'ai fait pour ma soeur qui fait la même taille que moi, je l'ai fait pour une amie qui fait la même taille que moi. Ouais, j'avoue, ça c'était facile. Et à chaque fois ça leur allait bien. Ça, c'est cool. C'était un cadeau qui était vite fait, et qui en jette. Je t'ai fait un vêtement. Et ouais. Et mais qui m'a pas pris trop de temps. Donc c'est bien. Voilà. Après, évidemment, un patron, c'est pas un cours de couture, donc vous allez avoir quand même besoin de certaines notions. Là, l'avantage, c'est que vous avez une vidéo de montage qui va vous aider. Je sais que beaucoup de personnes font souvent un peu l'amalgame entre patron de couture et cours de couture, et ils s'imaginent qu'avec un patron de couture, ils vont apprendre à coudre. Sauf qu'un patron de couture n'est pas là pour vous apprendre à coudre. Je vous le dis sans arrêt, mais je me sens obligée de le répéter. Je le vois avec Petit Patron, beaucoup de gens m'envoient des mails en disant « j'y arrive pas », mais ils ont pas le niveau. En fait, ils ont pris un modèle trop difficile. Pas grave, mais vous pouvez pas attendre d'avoir toutes les informations que vous trouveriez auprès d'un professeur qui vous facturera 20 ou 30 euros le cours, voire 50 euros si c'est du cours particulier, avec un patron à 4 ou 15 euros. C'est logique. Toujours est-il que si vous choisissez un modèle simple, comme celui-là, vous devriez y arriver. Dernière news du jour. Du vent, deuxième épisode. Bon, je voulais vous parler d'un autre site, CréaVA. Et j'ai rien. J'ai pas de truc pour montrer un site en fait.
Voilà, c'est mon problème. Bon, CréaVA, c'est un site qui vend du matériel de loisirs créatifs en général. Moi, je les ai connus il y a quelques années pour le matériel plutôt beaux-arts, papier, peinture, etc. C'est pour ça que je l'utilisais. Et en fait, j'ai fait une découverte de dingue. C'est le hasard le plus complet qui m'a fait faire cette découverte. Ils ont un rayon couture qui est cool. Genre avec plein de trucs. Ils ont des patrons de couture. Ils ont du tissu, de la mercerie, du matériel. Par exemple, ça, ils les ont. Voilà, par exemple. Ils ont des trucs cool comme la marque Aladdin. Pareil, grande découverte pour moi. Alors là, ma mère m'a dit, moi je la connais depuis toujours. Ouais, bah pas moi, ok. Genre, par exemple, de la peinture textile en spray. Ah, ah, ah. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Par exemple. T'es cool toi, t'es super cool. Bon, on va discuter après. Voilà, par exemple. Bon bah du coup j'avais envie de vous parler de cette boutique parce que elle est bien et que moi j'ai déjà commandé dessus, donc je peux vous la conseiller. On enchaîne. Comment Camille? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux intervenir? Ok. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Que tu es beau, que tu es bien, que tu protèges bien les ordinateurs. Ouais bon ok, j'arrête, j'abuse. Non mais c'est parce que Kali voulait absolument faire partie de la vidéo, hein, parce qu'il trouve qu'on n'a pas assez cité Petit Patron dans cette vidéo. Oh, ça va. Non mais en vrai, je vais vous expliquer. C'est plus simple. Je range Kali et on enchaîne. Bon, vous êtes prêts? Asseyez-vous. Vous êtes assis. En général, on regarde une vidéo assis. Bon, ok, on y va. C'est l'anniversaire de Couture Débutant, mon blog. Oui, vous vous en souvenez, les oreilles qui saignent, début de vidéo. Bon, bah du coup, faut fêter ça. Alors, la logique veut que quand c'est ton anniversaire, on t'offre plein de cadeaux. Bah apparemment... Apparemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vous qui allez avoir des cadeaux. En fait, je fais cette tête parce que... Il y a un concours de folie. Ouais, vraiment, un concours de dingue. 3, 2, 1... Il y a 3 concours. Donc, pour ceux qui suivent le blog depuis un certain temps, vous savez que chaque année, je fais un concours avec une énorme box remplie de plein de cadeaux à gagner. Bah comme j'ai 3 ans, enfin mon blog, j'ai décidé de faire 3 box avec 3 contenus uniques. Une qui est à gagner ici et je viens de vous présenter tout son contenu. Ça y est, vous avez compris. Donc ce simili que je trouve extrêmement beau n'est pas pour moi. Ce que je voulais pas vous montrer, c'est le bon cadeau, maquériste. Vous avez un court vidéo au choix à gagner. Vous avez aussi un bon d'achat de 30 euros chez CréaVA. Et Jude, si je l'ai en physique, c'est parce qu'il est pour vous. Et tout ça est à gagner dans la même box, accompagné d'une carte cadeau Petit Patron pour faire Kali. Ça y est, vous avez compris? Voilà. Alors oui, effectivement, c'est beaucoup de cadeaux. D'un coup, pour une seule personne. Oui. Je trouve ça génial, j'avoue. Je trouve ça excitant. Mais là, sur la table, vous voyez, il y a d'autres choses. Comme par exemple, ceci n'est pas une écharpe, mais un coupon de tissu. Cette chose est une boîte à couture. Nous avons des produits de teinture textile. Mais pourquoi sont-ils ici? Parce qu'ils sont à gagner sur Facebook et Instagram. Vous avez donc 3 box. Et si vous avez envie de gagner plein de trucs et de tenter votre chance 3 fois, et ben il va falloir participer ici et aller voir ce qui se passe sur YouTube. Bah non, pas sur YouTube. Et aller voir ce qui se passe sur Facebook et ce qui se passe sur Instagram. Moi je dis ça comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi j'ai vu le contenu de chaque box. Je trouve que c'est l'hystérie la plus totale. Voilà. Bon. Passons au terme du concours YouTube, puisque nous sommes sur YouTube. Voilà, c'est plus pratique. Pour gagner cette box, qui est à gagner par une seule personne, dans le cadre d'un tirage au sort, il faut être abonné à cette chaîne. Sinon,
Bah, c'est nul. Et me laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant quel est le produit que vous préférez. Est-ce que vous avez découvert? Bref, racontez-moi quelque chose sur le contenu de cette vidéo. Et puis aussi, vous pouvez la partager. Ça, c'est juste pour le plaisir. Vraiment, ça serait cool. Ça serait un petit moyen de dire bon anniversaire, couture débutant. T'es le meilleur blog du monde. T'es incroyable. T'es beau. Non, je m'emballe. Ok, je m'emballe un peu. Bon, vous avez compris. On s'abonne, on commente et c'est bon. Et le tirage au sort sera fait le 4 février, mais comme je serai à ce moment-là en voyage, je vous annoncerai un petit peu plus tard les résultats en commentaire, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Comme ça, vous êtes au courant. Ok? On fait comme ça? Je vous laisse participer, je vous dis à très très vite, et puis c'est tout.